Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Derrière moi, c'est la centrale Lénine, à 3 km au sud de Pripyat et à 15 km au nord de Tchernobyl. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un test a été lancé sur le réacteur numéro 4, un réacteur RMBK-1000. Pour faire le test du réacteur, les ingénieurs ont décidé de baisser sa puissance, mais au-delà de ce qu'il aurait fallu. Et il se trouve que les réacteurs RMBK-1000 ont un défaut de conception qui fait que, à très basse puissance, ils ont tendance à s'emballer. Et c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 avril 86. À la suite de plusieurs fautes commises par les opérateurs, bon, des petites erreurs de rien du tout, hein. Le système demande l'arrêt d'urgence, mais on va l'ignorer, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave de toute façon. Le réacteur s'emballe. Le couvercle du réacteur est soulevé par une poche de vapeur qui est créée par la chaleur intense qui se crée à l'intérieur. Il retombe sur le réacteur, le fracture et la suite, on la connaît. Contrairement à ce qu'on croit parfois, il n'y a pas eu d'explosion nucléaire à Tchernobyl, juste une explosion thermique. Mais c'est la poussière qui a été soulevée et dispersée qui a créé la pollution qu'on connaît. Pendant près d'un mois, des dizaines de tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bore et de dolomite sont déversées par hélicoptère sur le réacteur pour en juguler la réaction. À partir de la mi-mai, une fois le réacteur éteint, près de 600 000 ouvriers, qu'on appellera les liquidateurs, ont pour mission de nettoyer le site. Seulement voilà, certains débris sont si radioactifs que rester une dizaine de minutes à proximité suffit à tuer un homme en moins d'une semaine d'un syndrome d'irradiation aiguë. Sur cette photo, prise sur le toit du réacteur numéro 3, vous pouvez voir des bandes blanches en bas de l'image. Elles sont dues aux intenses rayonnements qui impriment jusqu'à la pellicule photo. Afin de ne pas exposer inutilement les liquidateurs, Moscou fait appel à Alexander Kemurjan et son équipe d'ingénieurs. En quelques semaines, ils assemblent un bulldozer entièrement automatique et piloté à distance afin de nettoyer le toit du réacteur numéro 3 et les abords de la centrale. Pourquoi Moscou a fait appel à ce monsieur en particulier? Parce qu'il faut dire que lui et son équipe dans la matière, ils avaient une certaine expertise. Il faut dire que 15 ans avant, ils ont envoyé 2 tanks sur la Lune. Aujourd'hui, je vous raconte comment entre 1970 et 1973, deux rovers russes ont parcouru plus de 50 km à la surface de la Lune. Et ils y sont toujours. Le 25 mai 1961, Kennedy fait son discours historique où il lance la course à la Lune. Dans la foulée, Khrouchtchev relève le défi et confie le projet à Sergueï Korolev. Vous vous souvenez de lui? Spoutnik, c'est son œuvre. Comme les Américains, les Russes projettent d'envoyer un homme sur la Lune. Mais eux, ils ont un backup. En parallèle, ils décident de développer un Lunokhod. Lunokhod, en russe, ça signifie vadrouilleur lunaire. Mais par commodité, on va utiliser la prononciation française et l'appeler Lunokhod. Pour le concevoir, Korolev cherche des ingénieurs là où ils se trouvent. Dans l'armée rouge. Il va faire appel à Transmash, le fabricant des chars soviétiques. Dans ses rangs se trouve Alexander Kemurjan. Il travaille d'abord sur des tanks lourds, puis des aéroglisseurs, puis sur à peu près n'importe quoi. Autant dire que c'est le genre d'esprit créatif dont Korolev a besoin. Kemurjan part avec une feuille blanche. Il va devoir tout inventer, tout tester, même l'idée la plus farfelue, d'autant qu'on ignore totalement à quoi ressemble la surface de la Lune. Est-ce de la caillasse, du sable, de la poussière? Et oui, aujourd'hui ça paraît trivial, mais à ce moment-là, on n'est même pas sûr qu'il est simplement possible de se déplacer à sa surface. Korolev consulte les meilleurs scientifiques russes et arrive à la conclusion que le sol lunaire doit être suffisamment dur pour y rouler. Bon. Mais si on y roule? On y roule comment? Avec des chenilles ou des roues? Dans un premier temps, Kemurjan privilégie les chenilles. Bah, c'est un fabricant de chars, hein. Sauf que les chenilles, ça bouffe beaucoup de jus, et le véhicule ne pourra pas embarquer un générateur de plus de 300 watts. 300 watts, c'est pas beaucoup. Sans compter que si une chenille se coince, c'est game over.
la décision est donc prise d'utiliser des roues. Elles seront aussi grandes que celles d'une voiture. Elles sont faites d'une grille fine et équipées de crampons pour bien accrocher la surface lunaire. Pour les premiers tests du châssis, Transmash construit et équipe un hangar secret baptisé le Lunodrome. Le prototype est contrôlé depuis un wagon sur un parcours d'obstacles variés, parce qu'on ne sait toujours pas avec certitude à quoi ressemble la surface lunaire. L'engin est équipé de 8 roues, chacune avec moteur et suspension indépendants. Même avec 5 roues en rade, il peut continuer à rouler. Kemurgeon rencontre un autre problème. Dans l'air, quand deux pièces métalliques sont en contact, une fine pellicule d'oxyde se forme et sert de lubrifiant. Dans le vide, c'est pas le cas, et les pièces mobiles finissent par fondre et se souder ensemble sous l'effet de la friction. Il faut donc mettre au point une huile qui ne s'évapore pas dans le vide, et les moteurs sont enfermés dans des caissons étanches. En 1965, Korolev délègue la production du Lunokhod à l'Institut Lavochkine à Moscou, spécialisé dans les sondes spatiales. Leur boulot ? Mettre au point l'atterrisseur qui va emmener le rover à la surface de la Lune. C'est Georgi Babakin, le Dirlo, qui prend les choses en main. Pendant ce temps aux USA, la Saturn V prend doucement forme. Le problème, c'est qu'en URSS, son équivalent, la fusée géante N1, explose systématiquement au décollage. Et comme c'est elle qui doit emmener un cosmonaute sur la Lune, ça commence à puer un peu la merde. Et comme si ça suffisait pas, début 66, Korolev, le big boss du programme spatial, meurt après une opération chirurgicale de routine, et Babakin hérite du projet. Un nouveau dispositif est ajouté au Lunokhod. Les ingénieurs l'appellent la poêle à frire. C'est en fait un bouclier protecteur doublé d'un panneau solaire. Durant les 2 semaines de jours lunaires, les panneaux alimentent les moteurs et les instruments de bord. Pendant les 2 semaines de nuit, le capot est fermé pour protéger le rover du froid. Une pile au polonium est installée à l'arrière. Elle sert aussi bien à alimenter le rover en électricité le jour qu'à le réchauffer la nuit. Et quand le bouclier est fermé, des ventilos sont mis en route pour brasser le gaz enfermé dans le corps étanche du Lunokhod. A l'inverse, le jour, les composants internes sont refroidis par ce même gaz et la chaleur est évacuée à l'extérieur via un radiateur. Le rover est presque prêt, mais maintenant, il lui faut un pilote. Et encore une fois, les directeurs du programme se tournent vers l'armée rouge. Ils y sélectionnent en secret 40 officiers triés sur le volet. Ils sont soumis à un entraînement intense au Lunodrome où ils apprennent à piloter le rover. Le plus dur pour eux dans l'histoire, c'est les 13 secondes de décalage qu'il y a entre l'envoi d'un ordre et son exécution par le Lunokhod. En novembre 68, une équipe de pilotes est prête. Mais le mois suivant, les USA envoient Apollo 8 faire le tour de la Lune et la N1 ne vole toujours pas. Les soviétiques savent donc que leurs chances de battre les Américains dans la course à la Lune sont nulles. Il ne reste donc que Kemurjan et Babakin pour sauver l'honneur. Début 1969, le Lunokhod, de la taille d'une voiture et pesant 756 kg, est installé sur son atterrisseur et le tout est placé dans la coiffe d'une fusée Proton. Le 19 février, la fusée décolle de Baïkonour. Pour les Russes, le succès est proche. Ou pas. En plus de regarder leur rover partir en cendres, les ingénieurs russes vont encore devoir endurer l'épreuve de voir les Américains gagner la course à la Lune en juillet. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Les Américains ont laissé des traces de pas sur la Lune, les Russes y laisseront des traces de roues. Le 10 novembre 1970, une autre fusée Proton décolle de Baïkonour, emportant un autre Lunokhod. Après 4 jours et demi de transit et 48 heures passées en orbite lunaire, la sonde Luna 17 amorce sa descente et se pose en douceur dans la mer des pluies. C'est à ce moment que le secret de la mission est levé et qu'elle est révélée au grand public. 3 heures après l'alunissage, les premières images arrivent à la salle de contrôle. La surface de la Lune est plate, sans obstacle et le Lunokhod est bien positionné. L'ordre est alors donné au rover de descendre la rampe de la sonde. 16 mois après Armstrong, l'équipe d'ingénieurs du programme Lunokhod sauve ainsi l'honneur russe. À Moscou, Léonid Brejnev veut utiliser cette réussite comme outil de propagande en faveur du parti. Et de sa petite personne aussi, faut pas déconner. Mais plutôt que d'aller dans ce sens, la presse internationale applaudira la performance des ingénieurs. On ne le sait pas à l'époque, mais après le programme Lunokhod, plus aucun rover ne roulera sur une autre planète avant la mission Pathfinder sur Mars en 1997. Mais dans la salle de contrôle, les pilotes sont un peu tendus. Après les premiers mètres parcourus, le premier problème se fait sentir. Les caméras de navigation sont trop basses. Impossible d'anticiper le bord d'un cratère, par exemple, et c'est exactement ce qui va arriver au bout de 30 mètres sur la surface lunaire. Mais après quelques manœuvres, ils parviennent à l'en extirper.
pour refaire la même erreur quelques jours plus tard. Sauf que là, ça va être un peu plus critique. Arrivé au bord d'un cratère, le pilote donne l'ordre de s'arrêter, mais à la place, il envoie seulement l'ordre de ralentir et le lunocode glisse dans le cratère. Le système de refroidissement fonctionne mal avec le lunocode incliné et la température à bord grimpe en flèche. Et bien entendu, les roues glissent, l'empêchant de remonter. Il faudra 9 heures de manœuvre pour finalement réussir à le sortir de là. Bon, finalement, ils s'en sortiront pas mal du tout, puisque le rover, prévu pour fonctionner 3 mois, parcourra près de 15 km pendant pas loin d'un an, prenant au passage près de 20 000 photos du sol lunaire et réalisant plus de 500 tests et analyses. Le châssis aurait encore pu rouler plus longtemps, mais c'est la pile au polonium qui a lâché la première. Alexander Kemurjian dira de son rover qu'il est simplement mort de mort naturelle. Il sera décoré de l'ordre de Lénine pour la réussite de la mission, mais tout en restant un parfait inconnu à l'ouest du mur. Sauf au CNRS qui bossait déjà depuis plusieurs années avec le programme spatial russe. Fin 1972, l'Institut Lavochkine termine le Lunokhod 2, qui embarque plus d'équipements scientifiques, des caméras de navigation corrigées, ainsi qu'un catadioptre français sur lequel je ne vais pas m'attarder puisque je lui ai déjà consacré un épisode tout entier. Pour ceux qui se demandent lequel, rappelez-vous simplement que ce truc sert à mesurer la distance Terre-Lune. En janvier 1973, Luna 21 se pose sans problème dans le cratère Le Monnier. Le 9 mai 1973, Lunokhod 2 a parcouru plus de 42 km sur la surface lunaire. Il faudra attendre les rovers martiens Opportunity et Curiosity pour battre ce record. En juin, lui aussi cesse de fonctionner suite à une défaillance de son radiateur qui le fait surchauffer. Revenons en 1986, ici à la centrale Lénine. Au moment de nettoyer les abords du réacteur éventré, au Kremlin, on se rappelle du petit rover lunaire contrôlé à distance. Alexander Kemurjian est alors appelé d'urgence et on lui donne pour mission de concevoir un véhicule capable de faire le boulot des liquidateurs, mais sans exposer les hommes aux radiations. Après le succès des Lunokhod, Kemurjian et son équipe n'ont pas arrêté de bosser. Ils ont continué à développer des rovers toujours plus performants et sophistiqués, prévus pour l'exploration de planètes plus lointaines. L'équipe de Transmash a notamment développé un nouveau modèle de châssis basé sur le Lunokhod, baptisé le STR-1. Un peu plus d'une semaine, ils en assemblent un. Ah bon, après, il faut encore un petit peu de temps, évidemment, pour l'équiper contre les radiations, le blindé, tout ça. Début juillet, le STR-1 est acheminé ici, à Tchernobyl, enfin, à Pripyat, enfin, dans la zone de Tchernobyl. Et le 15, un hélicoptère le charge sur un de ces trucs là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, et il l'emmène sur le toit du réacteur numéro 1. Alors, on va pas s'approcher, parce que on s'est approché tout à l'heure avec le guide, mais on n'est pas resté parce qu'il y a plus de 100 millisieverts encore là-bas. Sinon, juste pour le détail, ça, c'est une pièce du rover. Ce truc là, par terre, c'est une pièce du rover. Mais pareil, va pas trop près. Va. Vu l'urgence, Transmash n'a pas eu le temps de recruter et de former des pilotes. C'est donc l'équipe de Kemurjian qui s'y colle et durant tout le mois d'août, il déblaye les gravats mortels. Le STR-1 fera parfaitement son boulot, mécaniquement parlant. Mais sur ce toit, les niveaux de radiation sont si forts qu'ils empêchent une bonne communication avec le rover qui finira par être quasi incontrôlable. Il faudra alors se résoudre à y envoyer ce que l'on appellera les biorobots. Des hommes. Il faudra attendre la chute de l'URSS et l'ouverture des archives pour que les Américains découvrent le nom du papa des deux rovers lunaires et du bulldozer de Tchernobyl. En 1990, Kemurjian travaille sur un Marsocode qui commence à titiller les Américains. Ils vont donc l'inviter à Pasadena en Californie avec quelques-uns de ses ingénieurs et tout ce petit monde travaillera de concert à l'envoi de rovers sur Mars. Après de 70 ans, Alexander Kemurjian obtiendra finalement la reconnaissance qui lui était due au sein du milieu scientifique. Il décédera le 24 février 2003 à Saint-Pétersbourg. Il laisse en héritage deux petits rovers à la surface de la Lune et sans lui, les rovers martiens n'existeraient pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Les images d'archives que vous avez pu voir me viennent entre autres des productions Z, que je remercie pour l'occasion. Les productions Z, c'est une boîte qui fait des documentaires, notamment si vous regardez Arte ou France 5, vous en avez sûrement déjà vu, qui ont été produits par eux. Je voudrais aussi remercier Adrien Michel, qui a eu l'idée de venir ici à Pripyat, ainsi que Nicolas Elsasser, qui est en train de tenir la caméra. Merci Nicolas.
Je remercie aussi Alexander, notre guide, qui a été absolument excellent durant tout le séjour. Il existe des circuits touristiques qui font visiter Pripyat un peu comme on fait visiter Disneyland. Mais Alexander est un vrai urbexeur et il nous a emmenés dans des lieux hors des sentiers battus et j'ai particulièrement apprécié le respect avec lequel il traite ce musée à ciel ouvert qui est la zone d'exclusion de Tchernobyl. Подивись на небо над собою і ставай астрономіком. Дякую вам, що побачимося. І відвідайте мій вебсайт chernobylstore.com. Дякую.